Bonjour mes chers élèves de CE1, bienvenue sur votre chaîne GeoCommunique TV. Vous pouvez consulter votre manuel, page 121, il s'agit de l'arbre orthographe. Cette fois, on va voir la lettre G, correction des activités. D'abord, mes chers élèves, il faut lire la règle, où je retiens. La lettre G. La lettre G transcrit le son G. Le son G. G. Lorsqu'il est placé devant les voyelles A, O, U ou devant les consonnes L et R, comme l'exemple de un grand garçon. La lettre G transcrit le son J lorsqu'elle est placée devant les voyelles E, I, Y, comme l'exemple de sage. Agile. Lorsqu'elle est placée devant la consonne M, la lettre G transcrit le son NIE, comme exemple de il. Parfois, il ne s'entend pas, surtout à la fin du mot. Lent ou vain. Je rappelle encore une fois, je retiens. Suivez avec moi, mes chers élèves. La lettre G transcrit le son GAY. Lorsqu'elle est placée devant les voyelles A, O, U ou devant les consonnes L et R. La lettre G transcrit le son J lorsqu'elle est placée devant les voyelles E, I, Y, comme l'exemple de sage, agile. Lorsqu'elle est placée devant la consonne N, la lettre G transcrit le son NIE, une ligne. Parfois, ils ne s'entendent pas, surtout à la fin. Alors ici, écris ces mots dans le tableau. Je lis les mots. Un organier, un oranger, un figuier, un légume, une tige, un bourgeon, une courgette, une groseille. Une aubergine, loup. Je répète encore une fois. Un organier. Un oranger. Un figuier. Un légume. Une tige. Un bourgeon. Une courgette. Une groseille. Une aubergine, loup. Alors, normalement, le son gay comme l'exemple de un organier. Alors, j'écris ici les mots comme un organier, voilà. Un figuier, un légume, une groseille, loup, son J. Je vais écrire ici les mots suivants. Un oranger, une tige, un bourgeon, une courgette, une aubergine. Alors, deuxième activité, s'il vous plaît, suivez avec moi, mes chers élèves. Nous sommes en direct avec vous sur notre chaîne GeoCommunique TV. On fait des activités concernant la lettre G et les différents sans qu'elle transcrit. Alors, deuxième activité maintenant. Relie une syllabe de chaque colonne et écris les mots obtenus. On a ici gare, comme l'exemple de gardien. 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 Gras. Comme l'exemple de grave. Grave. Guy. Guidon. Guidon. J. Gilet. Gilet. K. Cage, cage, bas, bague, bague. Alors, gardien, grave, guidon, gilet, cage et bague. Complète les mots avec les syllabes proposées.
On a ici gars, on a ici ja, gon, jon, gui, ji, ge et je. Je rappelle encore une fois, gars et ja, gon et jon, gui, ji, ge et je. Un déguisement. Alors j'écris ici gui, un déguisement. Un cigare avec gars. Un pigeon avec jon. Une vague avec que, comme ça. Un dragon, voilà. Il partage, ou il partagea. Soit on dit il partagea ou il partage. C'est la même chose. Hein. Partagea, il partage. Mais je préfère le partage, puisqu'on parle du prénom. De l'orangeade. Une girafe. Alors, les mots correspondent aux images, ces sous contiennent tous le sanglier. Écrivez. Ah, alors ici, montagne. Vous allez écrire des montagnes sous forme de dictée. Ici, c'est la ligne, champignon et signature. Jean Smita. Smita, je crois. Smita. Bon, Jean Smita. Alors, c'est une signature. Une signature, champignon. La ligne et la montagne. Alors c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout compris. On a déjà vu la lettre G. Elle est différente sans qu'elle transcrit une leçon de l'orthographe pour les élèves de C1 et les autres classes aussi. Alors, je vous remercie pour votre suivi. Attention, c'est votre attention aussi. Alors rendez-vous donc pour une prochaine vidéo. Au revoir, mes chers élèves. Au revoir, au revoir.